fois une petite fille qui n'avait pas le droit de sortir toute seule de chez elle. Est-ce que tu vas rester avec moi pendant tout le chemin? Je ne sais pas. Si tu vas dans le bois, sous les grands arbres, où il fait sombre, presque nuit, alors je ne pourrai plus t'accompagner. Vous êtes les loups. Regardez. Les chaperons rouges ne voient pas. Hein. Les loups regardent. C'est bien ça, oui. Vous pouvez jouer. Oui, c'est bien. Vas-y, fais comme ça. C'est pas le même bruit. Non, non, c'est pas la musique, c'est les fourmis. Bonjour. Bienvenue au théâtre. Nous allons vous présenter le petit chaperon rouge. Voilà. Elle vit seule. Elle n'a pas de petit frère. Elle n'a pas de frère. Elle n'a pas de sœur. D'accord? Et la maman, qu'est-ce qu'elle a la maman? Elle n'a pas le temps. Elle n'a pas le temps. Montrez-moi les mains. Elle n'a pas le temps. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Ah non, dis comme ça. T'as pas besoin de ça. Marchez. Marchez. Bienvenue au théâtre, nous allons vous raconter notre petit chaperon rouge. D'accord? Et puis après on raconte, c'est l'histoire d'une petite fille qui